Hey, toi! Enculé! Quoi, c'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Non, non, je parlais au tuyau! Aujourd'hui, on se débarrasse des deux tonnes de plâtre. C'est de merde, Guillaume, il faut le dire. On peut pas en faire des statues, c'est de la merde. Et là, je profite de tenir la caméra pour ne prodiguer aucun travail physique. Alors que moi, regarde, voilà. Je prends 50 kilos sur le dos. Ça, je suis pas sûr. Parce que je suis très viril. Oh putain. Je suis pas sûr du tout, Guillaume. J'ai déjà essayé de faire ça, c'était douloureux. Bah, c'est juste que je prends des pauses régulières. Tu prends des pauses régulières. C'est bon, ouais. Prototypage. Essai 1. Premier drop, ça se fait sur un coin à 45 cm de hauteur. Et moi, j'ai tellement l'impression qu'on est dans un truc genre The Office. On est dans une espèce de cour abandonné. On est là à tester à de quelle hauteur on peut jeter le produit pour pas qu'il se casse. J'ai l'impression qu'on est dans un truc comique. C'est quoi à l'intérieur? C'est un Napoléon ou un Nietzsche? Un Nietzsche. Oui. D'accord. Tu le pouce comme ça? Ok, nickel, ok. Ouais. Ah, alors, bien déformé. Toutes les planches, elles sont regarde, sur le côté. Si tu regardes comme ça, là, tu vois là, ici, ah ouais, ce ouais, coin, ouais. Et ce coin, ils sont plus, plus vers là. Ils sont plus dans le même plan. Là, ouais. Tu as tapé celui-là, c'est ça? Si, c'est vrai. Donc maintenant, on tape celui-là. On la même hauteur. 17. Et là, c'est bon la hauteur? Ouais. Oh, ça, c'est la merde. On a même pas fait le méga droit. Bah là, ça va le réparer. Et un normal. Ça va littéralement réparer. Voilà, comme ça, et c'est bon. C'est gâché. Il est littéralement comme neuf. Dans son berceau. C'est chaud. Il voulait pas. Mais tu vois qu'on est pas méchant. Enfin. T'es sûr qu'il est une aile cassée? Regarde son aile là. Bah elle a l'air un peu fucked up, mais j'ai l'impression que l'autre elle se traîne aussi. Genre tu me fais toujours pas confiance après tout ce pain. Après tout ce pain, t'as encore plein de buts. Qu'est-ce que t'as? On dirait qu'il veut se battre avec je quelqu'un. Pense qu'il médite. Tu médites. Il calcule le pour et le contre. C'est Windows 96. Calme-toi, champion. Non, je peux faire le mal. Putain, il est adorable. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on lui fasse une maison. En plâtre. J'ai bien médité, il faut qu'on sauve la bête. Il est adorable. Ce qu'on va faire dans Ruine. Je sais pas ce qu'on va faire dans Il n'a pas voulu partir depuis cet après-midi, mais je crois qu'il nous aime bien. Je crois qu'il a vu en nous la patte qui lui a toujours manqué. À vrai dire, l'ensemble des pattes qui lui ont toujours manqué. On va garder Henri en vie. Peut-être qu'on va pas le garder dans cette pièce ce soir. Je crois que Henri est malade. Faut que tu regardes sur internet ce qu'a Henri. Et s'il faut qu'on lave Henri, on va laver Henri. Oh putain, c'est vrai? On va laver Henri. En fait, j'avais un projet long terme. Je comptais laisser Henri par terre.
que personne n'était trop chaud à l'idée qu'on le ramène. Je voulais qu'ils passent la nuit et que le lendemain ils soient encore là. Et là j'aurais commencé à travailler tout le monde au corps, stratégie long terme, regarder si c'est cool d'avoir un pigeon et tout, j'aurais fait des recherches. Mmh. Et le lendemain il était pas là. Ah, il vit sous la fenêtre d'un chat? Non, mais le jour où je l'ai vu, oui. Il se cachait sous la fenêtre où il y a un chat. Et le chat il descend. Et je pense que Henri il a été recyclé. Eh, je vous pète la gueule à part là. Et il y a le fusil là. Oh. Dans les dents. Je suis vraiment traumatisé. Eh les gars, sinon, on fait deux équipes de deux, on met une rangée de chaises et on fait par élimination. Je suis chaud, je suis très chaud. C'est quoi les règles? C'est seulement dans la tête, chacun a trois vies, c'est ça? Ouais. Quand c'est touché, on doit dire touché. Et après on dit notre nombre de vies. Touché deux. Exactement. Vous êtes prêts? Prêt. 1, 2, 3, garde éclairé. Massoud, ouais. Il y a le putain de cache objectif. J'ai un bon plan là, j'ai un bon plan. Il y a le putain de cache. J'ai un bon plan, je te dis.